Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une recette sucrée de petit four très facile à réaliser. J'espère que cette recette vous plaira. الزول في الاول مرحبا يسون على شني وعسلامه نون ايودي غلان اي مرحبا يسون ايودي ديرنان دي جديدن اكني دني غاسا قد نخدم لي بتي فور الوحيد سيرامار لا روسيت اروني دي عجبن قيموثيدي On va passer tout de suite aux ingrédients. Là, j'ai deux œufs, la vanille, 70 g de maïzena, 150 g de beurre fondu, 150 g de sucre, 300 à 340 g de farine, une cuillère à café de levure chimique. Moi, j'utilise mon robot. Vous pouvez utiliser le batteur. C'est la même chose. Je casse mes œufs. اكني دني غادي نسير سنت ملالين سير 70 غرام لا مايزينا 150 غرام سكر سير 150 غرام بودي شطوح لا فاني تا نجوث القهوه لا لوفور كيميك 340 الفرينه سا دي بوثي ملالين كنت فوالا لا ج راجوت لو سكر او زو فوالا je les laisse à peu près 3 à 4 minutes. Voilà, vous voyez, c'est mousseux. Atjemt mliḥ ou hadi fsi skwar nkunt akou tmellali nkunt. Yesternoum tda gini ou dini. Ila qala hadi yahmou. Voilà, je rajoute le beurre et je mélange à nouveau. Da gidi ghat terwimt mliḥ. À peu près 1 à 2 minutes. Je rajoute un peu de vanille. Da gassano chitouh la vanille ou sinon le zeste de citron. Sinon rapim thes saqarsot kif kif. Voilà, je rajoute la maïzena. Voilà, je vais passer la maïzena et la farine au tamis. De guinir, ça veut dire la maïzena avec de la farine, la levure et la garvelte, toujours. Je mélange à nouveau, je débarrasse, je nettoie. En attendant, mon plan travaille. La guinée sera dernier à démélanger et en même temps, clé se débarrasser et il insouffle le plan travail. Voilà, la pâte elle doit être comme ça, ni trop liquide, ni trop épaisse. Voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre beaucoup de farine, sinon les gâteaux ils vont être durs et la pâte va être dure. Là, je prépare ma poche à douille. Là, je prends une tasse ou un verre, je place ma poche à douille. Voilà, comme vous voyez. Voilà. غاست فغ لا بوشا دوي اينو تراه كي داخل فنجال انا داخل نطاس يوكن ما تعمر مثل لا باتي غينيو تي تسيرا يوعر فوالا اي جو مي اي جو في ميت ما بات ددون كوم فو فوي سي بور سا لا بات اي فو با كا سوا ترو ليكيد او ترو ايبيس باسكو سينو اون بو با لا سورتير دو لا بوشا دوي
Voilà, si la pâte elle est dure, on ne peut pas la sortir de la poche à douille. J'espère que vous m'avez compris. La pâte n'a pas liquide ou la poche à douille. Là, je prends un plateau, je mets le papier cuisson, ou sinon, vous mettez un peu d'huile avec de la farine. Et faire le plat, le four. Le papier cuisson, et là, je vais faire des rosaces. Et après la forme, je vous laisse le choix. Pardon. La forme. Et là, je prends un coteau avec de l'eau. Voilà, je range les côtés. Voilà, comme ça. Ou avec une cuillère. Et faire le mousse, les côtés à guiner. Ou sinon, voilà, on fait ça et on coupe avec un coteau. Moula, je peux le mettre même si je même fait casser le mousse. Comme vous voyez, c'est très facile à réaliser. En plus, elles sont très très bonnes avec café au lait. Je vous dis pas. Déguiner différentes sauces, surtout sur le kahwa de Yifki. Masha'Allah. Comme vous voyez, doré, je les ai passées à 180 degrés, à peu près 10 à 15 minutes. Il faut les surveiller. Ça dépend de vos fours. De toute façon, je vous mets les ingrédients en barre d'infos. Là, je prends un peu de confiture. Voilà, je mets avec un pinceau. Je vais faire la confiture. Voilà, et je colle. Là, j'ai fondu le chocolat au lait. Après, si vous voulez le chocolat noir, chocolat blanc, je vous laisse le choix. Ou sinon, vous les laissez juste comme ça. Voilà, je plonge les extrémités. Voilà, les deux côtés. Voilà, comme ça, l'autre côté. Et je pose sur un papier cuisson. Voilà. Et après, il faut les laisser sécher. Le gâteau, nous le scratch, la confiture. Se sert de le chocolat au lait, dans le chocolat noir. Et nous avons une crème. Et ensuite, dire que c'est quand même les côtés nickel, nous avons un nofs, et que nous avons un. Voilà, et ensuite, tu sers sur le papier cuisson, le chocolat. Voilà, vous pouvez rajouter les amandes, les cacahuètes. Moi, je vais les décorer avec les pistaches. Ensuite, tu vas décorer le cacao, les amandes, les pistaches. Voilà le résultat final. Elles sont fondantes et très très bonnes. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. À très vite sur ma chaîne. Maintenant, je vais vous donner la vidéo et vous souhaiter le like, le partage. Maintenant, je vais vous donner la vidéo et vous souhaiter le like, le partage.